semaine spéciale Goldorak, la légende. Aujourd'hui, les fans de Goldorak. Vous pensiez sans doute que le fan de Goldorak était un ado attardé de 35 ans ou un papa nostalgique de 40. Bon, c'est un peu vrai. Je connais Goldorak depuis que l'âge de 3 ans. Donc j'ai grandi avec ça jusqu'à maintenant. J'ai 38 ans et je suis toujours à fond sur Goldorak. J'ai connu Goldorak à l'époque, au début des années 80, quand ça passait sur Recrea 2. Bon, c'est vrai, mais c'est un peu réducteur. Avec le succès des animés, mangas et de la japanimation, des ados bien d'aujourd'hui sont accros aux robots de lumière et d'acier. Réveille-toi, c'est pas le moment de dormir. Car, comme Régel sur son observatoire, les fans attendaient avec impatience la sortie officielle et autorisée de Goldorak en DVD. Eh bien, ça y est, c'est fait, dans une version remasterisée et non censurée. Nous avons rencontré certains d'entre eux, de ces fans, réunis à l'occasion d'une expo Goldorak dans le cadre du Monaco Anime Game Show. Ils nous expliquent ce succès. C'était le début de la science-fiction dans le dessin animé. Je pense qu'avant ça, on avait les Tex Avery et on n'avait pas trop, de dessins animés qui traitaient ces sujets. Donc quand Goldorak est apparu, je pense que ça a fait date, quoi. Moi, je fais partie de la génération qui a vraiment été marquée par Goldorak. Il y avait les garçons, c'était Goldorak, et les filles, c'était Candy. Donc Goldorak incarnait vraiment le robot dans lequel on s'identifiait, les personnages. Donc c'est pour ça que j'amène mon fils aujourd'hui pour lui faire découvrir ce sur quoi j'étais super réceptif à cette époque, quoi. Astéro H. Et Goldorak, c'est encore plus intergénérationnel, puisque avec un dessin animé qui est sorti dans les années 70, on peut toucher les adultes, on touche encore les enfants aujourd'hui. Tout le monde connaît Goldorak. Goldorak, go ! J'étais fan, et je suis toujours fan d'ailleurs de Goldorak, donc j'ai regardé le dessin animé. Et c'était effectivement mon dessin animé favori. J'ai toujours ce brin de nostalgie, justement, c'est ce qu'il y a aussi penché dans la balance pour faire venir l'auteur. Parce que bon, je ne vous cache pas que Gonagai, je lui ai demandé quelques dédicaces sympas et il m'a offert un super cadeau, un original de Goldorak signé. Donc c'est vraiment très, très sympa, ça part. Après, on aimerait bien savoir s'il va y avoir une suite, quels sont les projets de Gonagai par rapport à Goldorak. Gonagai ? Eh bien, il suffit de lui demander. J'ai encore envie de faire de nouvelles choses. Par exemple, j'adorerais me lancer dans la production d'un remake de Mazinger Z, mon premier robot. Et bien sûr aussi de Goldorak. En attendant de découvrir une éventuelle suite de Goldorak, vous pouvez vous replonger dès maintenant dans les épisodes originaux qui ont été soigneusement remasterisés pour cette édition DVD sortie hier. D'ailleurs, demain à la même heure, nous vous emmènerons dans les coulisses de cette restauration. Bonsoir.